Mais Julien, merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton, c'est quoi, c'est ta maison de compétition? Ouais, c'est notre mobile-home de Barbie, un petit peu. On a les chevaux derrière, ça c'est la partie habitable. Et puis finalement, on se déplace du coup un peu comme les escargots. On a notre maison avec nous et puis quand on sillonne un petit peu l'Europe, ben, on peut faire des escales et voilà, on branche Ouais, le camion sous avoir un petit l'électricité peu et de puis chez soi à exactement. l'étranger. Ouais, c'est une manière un petit peu de ramener un peu de chez nous avec nous. On est ici au Chalet à Gobet, au manège du Chalet à Gobet. Qu'est-ce que ça représente? Quel est ce lieu pour toi? Alors, à la base, c'est un lieu, c'est une entreprise familiale de la famille donc de mon mari. D'accord. Donc, moi, je suis un petit peu arrivée voilà, par atome crochu avec Benoît. Et c'est une exploitation, on a à peu près 120 chevaux sur le site. On est environ une vingtaine d'employés. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, soit vraiment la compétition. Mais il y a une école d'équitation, on fait un petit peu de commerce, on a des pensionnaires, on a plus de 70 pensionnaires, donc des Ouais. chevaux privés Ça, sur c'est le une grosse site. partie, hein, je pense, du revenu Ouais, aussi, non? les pensionnaires, c'est vraiment une très grosse partie. Et l'école d'équitation, c'est la deuxième plus grosse partie. D'accord. Le côté commerce, vraiment chevaux de commerce et compétition, ça c'est vraiment plutôt annexe plaisir. Voilà. L'équitation, c'est parce que c'est quand même un sport ou une activité qui est peut-être moins médiatisée, peut-être je me trompe, que d'autres sports. Ça, on est où? Quelle est l'évolution de l'équitation? Est-ce que c'est quelque chose qui vient très fort, ce rapprochement avec la nature, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste toujours un peu marginal par rapport aux autres sports? Alors il y a un côté un petit peu marginal, c'est que c'est vrai que la compétition de haut niveau, c'est quand même onéreux. C'est Ouais. quand même, il faut quand même avoir voilà, une situation financière qui permet de faire de la compétition pour un joli niveau. Là où si vous êtes un coureur, ben, vous allez chercher une bonne paire de baskets. Oui, ouais. Là, il faut quand même un peu. C'est quoi? Voilà. Faut compter combien pour espérer faire un peu de compétition? Je pense qu'il faut environ compter entre 1 500 et 2 000 francs par mois par cheval D'accord. à Ouais, l'année. ouais. Donc environ 25 000 francs. On dit à peu près 25 000 francs pour une saison de concours par cheval. D'accord. Et le problème, c'est que les chevaux ont aussi des phases de récupération, comme les humains. Donc si vous voulez vraiment performer à un certain niveau, il faut en avoir deux, trois, enfin le plus possible, si, Absolument, finalement. ouais, Voilà, mais absolument. très rapidement, bah, un cheval, pour être vraiment performant et vraiment évoluer, ça suffit plus. D'accord. Voilà. Mon ingénieur du son va me détester, mais je vais l'ouvrir en live la fenêtre, parce que sinon, sinon, je pense qu'on va pas faire très long comme interview. Ou alors on risque de changer de tenue un petit peu. C'est une passion, parce que je veux dire, avoir un cheval, par exemple, ça veut dire se lever très tôt tous les matins, ça veut dire prendre soin de lui, ça veut pas prendre beaucoup de congés sans le voir. Ça doit être, c'est une vocation ou c'est... Je pense que c'est un métier passion. Ouais. C'est clairement un métier passion. C'est en général un métier où on travaille 6 jours et demi sur 7. Régulièrement, on arrive à prendre un peu des demi-journées, mais très souvent, on est quand même sur le site à peu près à 7h moins quart tous les matins, si c'est pas 4h30 parce qu'on part en concours. On termine d'enseigner vers les 9h, allez, 8h le soir, 8h30 le soir, où on rentre de concours même plus tard. Le lendemain, ça recommence. Par contre, on se lève le matin et puis on est heureux, on est content de venir faire ce qu'on a envie. Donc c'est pas, on compte pas les heures de la même manière qu'une personne qui doit aller travailler dans une usine pour faire des choses un peu rébarbatives. Voilà, ça c'est clair. Par contre, ben Benoît et moi, on devait partir cet hiver en vacances. Depuis 5 ans, on n'était pas partis. Alors après, il y a le Covid qui s'est immiscé dans l'histoire, donc on n'est pas partis. Mais du coup, ça fait quasiment plus de 5 ans qu'on n'a pas pris de vraies vacances où Ouais, on est c'est vraiment compliqué. que les deux Ouais. loin de cette entreprise, quoi. Et ce dévouement-là chez les jeunes personnes, c'est un peu plus compliqué ou pas forcément? Je trouve que ça commence quand même à devenir un petit peu plus compliqué. On a pas mal d'apprentis sur le site. Moi, j'enseigne aussi à l'école professionnelle. Et c'est vrai que une des premières questions quand on a des gens qui sont motivés à faire ce métier, c'est ben, les vacances, les horaires, comment ça se passe. Et en fait, c'est un métier où, oui, il y a des normes de base, bien entendu. Il ne faut pas que tes syndicats me téléphonent en me disant que c'est inadmissible. Mais je veux dire, on a des employés qui ont des situations très, très correctes. Mais à un moment donné, si vous voulez évoluer là-dedans, ben, vous vivez là-dedans. C'est Tout ça. à coup, il y a le vétérinaire qui arrive le soir, bah, tout à coup, vous faites une heure de plus, il y a un maréchal qui a peut-être une anecdote un petit peu ou un ferrage un peu spécial à faire, donc tout à coup, vous intéressez, mais tout à coup, vous regardez votre montre et puis ça fait déjà 9h30 que vous êtes sur place. Voilà. Cette communion qu'il doit y avoir entre comment on s'appelle ça, le cavalier et le cheval, c'est quelque chose qui se crée aussi, hein, qui... Complètement, mais c'est quand même un petit peu instinctif comme une relation. Ok, donc ça pourrait être
très mal se passer malgré les investissements qu'on fait. Alors complètement, et puis c'est assez humain, comme bah, là on ne se connaît pas spécialement, ouais. On discute, bah, y a des gens avec qui tout à coup ça, voilà, ça, c'est fluide, ça fonctionne, et puis des fois vous partez d'un rendez-vous après 2 heures de temps, vous dites non mais c'est pas possible. Ouais. Et les choses c'est quand même un petit peu comme ça. Il y a quand même un feeling de base, on peut travailler tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas ce feeling de base, ça reste un peu compliqué. Ou, à contrario, quand vous avez des feelings exceptionnels avec des chevaux, ouais. Vous arrivez des fois à faire des choses avec un animal que là où des meilleurs cavaliers que vous, ils n'y arriveraient peut-être pas. Parce qu'il y a vraiment cette, ouais, cet attachement et puis cette envie de vraiment ouais, de transmettre à l'autre et d'offrir à l'autre en fait quelque chose. Donc il y a une part psychologique aussi qui est importante. C'est entre le cavalier, dans l'entraînement, de gagner cette confiance du cheval, c'est aussi un travail psychologique. Absolument. Ouais, absolument. Et puis c'est un petit peu tout bête parce qu'un cheval, on dit toujours que c'est presque un enfant, un peu de 4-5 ans, ouais. Toute sa vie. Ouais. Donc il va vraiment se souvenir des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs. Donc il faut réussir, si vous faites un entraînement, à ne pas faire quelque chose de négatif, mais quand même réussir à le pousser suffisamment pour qu'il progresse, mais sans lui faire perdre la confiance. Et puis après, il y a des chevaux qui ont besoin de beaucoup d'entraînement, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont besoin de phases de récupération sportive et d'autres moins. Voilà, c'est vraiment... La durée de vie d'un cheval, déjà en compétition, c'est très court, hein, je crois, non? Non, alors, ça dépend des disciplines. Pour ma part, donc moi, je fais du concours complet. On a énormément de chevaux. À Tokyo, il y avait notamment pas mal de chevaux qui avaient 17-18 ans. Ouais. Parce qu'en concours complet, il faut se rendre compte que c'est une discipline où on demande énormément aux chevaux, mais on en fait 4-5 par année. Okay. 4-5 week-ends de concours vraiment complet par année. Alors qu'en saut d'obstacle, vous êtes quand même allé 2 week-ends sur 3 en concours, 2 week-ends sur 4 en pleine saison. Donc les phases de récupération sont des fois un petit peu moins longues. Et en fait, ça dépend. Mais je dirais que jusqu'à 17-18 ans, pour une grosse majorité de chevaux, en général, ça se passe bien. Ouais. Les chevaux vivent en général jusqu'à 25 ans. Okay. 30 ans, c'est déjà peut-être pas canonique, mais c'est quand même un âge respectable. Et puis après, il y a des chevaux qui sont des forces de la nature. Et puis à 20 ans, 22 ans, ils ont encore la pêche. Et puis ils vous emmènent sauter des barres incroyables. Et puis d'autres à 14-15 ans, ils sont déjà un peu... Voilà. Exactement. Ouais. Ouais. Je discutais avec Simon dans la voiture. Et puis il arrivait avec un point intéressant. Je voulais te poser la question. Le côté psychologique de ce qu'un cheval peut apporter à un être humain. Et on a entendu de plus en plus que les chevaux sont souvent mis dans des thérapies après un choc, après un burn-out ou d'autres incidents qu'on peut vivre. Est-ce que tu as un regard par rapport à ça? Ou tu le vis quoi, carrément avec, Alors moi je sais que j'ai vécu 2-3 choses dans ma vie et je sais que les chevaux ont toujours été un point de repère, qui m'ont toujours apporté une sérénité quand vous êtes dans les écuries, que vous entendez les petits oiseaux chanter, c'est quand même un calme et une paix que vous n'arrivez pas à trouver en pleine ville ou centre-ville, en tout cas pas pour ma part. Après on dit par exemple que les chevaux prennent vraiment les émotions des humains et puis quand on les lâche, on voit souvent des chevaux quand on les lâche au pré, ils vont se rouler. Et on dit, enfin moi on m'a toujours éduqué comme ça, que quand on les lâche et qu'ils vont se rouler, en fait ils redonnent à la terre toutes ces émotions négatives qu'ils ont prises aux humains. Wow. Et j'ai toujours trouvé cette image assez jolie parce que c'est quand même un petit peu cette sensation qu'on a. Vous venez à cheval, vous avez la tête remplie de problèmes, de soucis, de questions. Ouais. Je pense à nos clients, des fois des avocats, des médecins qui, voilà, tout à coup ils ont la tête pleine de décisions à prendre. Et quand on est à cheval, on doit mettre le cerveau sur off et juste profiter. Ouais. Et ça c'est quelque chose que... Je pense que les animaux ont peut-être pas un don, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent nous apporter. Et voilà, exactement. Mais c'est vrai que quand on regarde un cheval, moi j'ai toujours un tout petit peu, je ne suis pas ultra rassuré avec les chevaux, je ne sais pas pourquoi, mais quand on les regarde avant d'en faire un tour, il y a quelque chose dans les yeux. Hein. Il y a comme s'ils nous... Il y a une vraie sérénité. Ouais. C'est des forces de la nature et en compétition, alors surtout le concours complet, le cross-country, c'est quand même des disciplines où on concourt pendant 11 minutes environ. Là où le saut d'obstacle, c'est 1 minute. Ouais. C'est clair qu'on se rend vraiment compte de cette force intérieure et de cette capacité même pulmonaire, musculaire. C'est des forces de la nature, mais qui ont une sérénité en eux qui est folle. Ouais. Qui est, ouais. Bah, parlons justement de ta profession, c'est ton métier. L'année passée, tu as vécu une expérience, je pense, phénoménale, les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors pour moi, ce qui a été vraiment de fou avec les JO, c'est qu'en juin 2020, j'ai tout bleu qui arrive dans mes écuries. Et jusqu'en juin 2020, j'ai pas de cheval de ce niveau-là. Ouais. Et tout à coup, j'ai cette star qui débarque chez nous. Et puis voilà, que tout à coup, il faut faire ses qualifs. Les JO, tout à coup, sont reportés. Ouais. Et tout à coup, Tokyo est envisageable. Alors que moi, en juin 2020, je suis à pied. Donc si Tokyo a lieu en 2020, pour moi, c'est foutu.
Et puis après, voilà, tout à coup, ben, les qualifs s'enchaînent, je suis sélectionnée, on part en quarantaine, il y a l'avion, la préparation, enfin, c'est quand même, c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'occasion de vivre de manière habituelle. Parce que là, on parlait du camion, on fait facilement 800, 1000 km pour aller à gauche, à droite. Oh là Mais là. Tokyo, à l'autre bout de la planète, Ouais. enfin, déjà rien que pour ça, c'était fou. Ils ont Déjà une rien que pour ça. culture du cheval. Dans les courses, surtout. Ok. Surtout pour les courses. Après, les Japonais, franchement, sont très, très. À Tokyo, ils étaient vraiment pas ridicules, hein. Ils étaient vraiment dans le D'accord. coup. Après, ils se sont donné les moyens, mais beaucoup de Japonais sont venus en Europe pour préparer justement les JO, parce que en Europe, c'est quand même la zone où on est vraiment le plus, peut-être pas les meilleurs. Aux États-Unis, ils sont très forts, mais le côté un petit peu occidental est quand même très très en avance sur les, Ouais. sur l'Asie, typiquement pour le niveau de la compétition. Mais toi, tu étais fier. Non, je veux dire, Ouais, dans une carrière quand même d'aller aux Jeux Olympiques, c'est quand même pas J'étais n'importe fière, mais quoi. même aujourd'hui, j'ai toujours pas réalisé. J'avais toujours dit, si je vais aux JO, je me ferai tatouer les anneaux. Ben voilà, je les ai toujours Enfin, pas. voilà. Et c'est vrai que, oui, j'ai fait les Jeux, mais dès que j'ai fini les Jeux, je me suis dit, ben voilà, ce qu'il faut que je travaille pour la prochaine compète. Et puis, C'est si on vrai? va à Paris, il faut que ça, ce soit mieux. Puis ça, puis ça, puis ça. Donc, T'as ce caractère-là de toujours, moi, toujours ouais, regarder là, devant? même chose, je suis rentrée de Rome. Dès que la compète est finie, ok, go, c'est quand les prochains entraînements, et puis C'est on dangereux avance. ça, de ne pas avoir la faculté de regarder en arrière puis Des de fois, dire. c'est un peu dangereux, mais peut-être plus pour le côté privé et pour le côté un petit peu amical avec les gens, parce que les gens sont tellement contents, ils se réjouissent. Et puis moi, j'ai souvent des fois un petit peu de peine à vraiment réaliser ce que j'ai fait. Et à Tokyo, je finis 17e sur, je sais pas, on était à peu près 70 au départ. C'est quand même hallucinant. Et avant la dernière manche du C'est saut, énorme. parce que le saut d'obstacle, normalement, la dernière. Parce qu'en fait, le concours complet, on a du dressage, du cross-country et du saut d'obstacle. Et normalement, ça se termine là. Mais au JO, il y a une deuxième épreuve de saut d'obstacle, parce qu'ils ne peuvent pas donner des médailles sur un classement par équipe. Donc pour le D'accord. classement individuel, ils rajoutent un parcours de saut. Et ce deuxième parcours de saut, c'est un petit peu moins passé, un peu moins bien passé pour moi. Du coup, je finis 17e au lieu de 12e. Et c'est vrai que du coup, ah, je l'ai encore un peu au travers de la gorge, quoi. Oui, mais Voilà. est-ce que, alors ça c'est une bonne question, Voilà. est-ce que, parce que j'imagine que le stress, avant que ce soit ton tour, tu réalises à ce moment-là, tu dis, ah on y est quand même. Est-ce que ce stress-là, le cheval le ressent? Alors, le cheval, il sait très très bien où il est. Il n'est pas con, il a bien compris qu'il y a quelque chose de spécial. Déjà, il s'est tapé 30 heures de voyage en avion. Parce qu'à l'époque, il faut dire, ils n'ont pas eu le droit de passer, aujourd'hui peut-être encore moins, mais ils n'ont pas eu le droit de passer avec les avions par-dessus la Russie pour aller à Tokyo. Ah Donc, nous, on a oui. fait à peu près 12 heures de voyage, hein, Ouais. Zurich, Tokyo. Par contre, les chevaux, ils ont dû descendre sur Dubaï, changer d'avion pour remonter sur Tokyo. Donc déjà, les chevaux, ils ont Ils compris sont qu'il y sauvegardes, hein, avait. j'ai entendu Ouais, là. justement, ils parlent et ils communiquent pas mal. Et c'est vrai que les chevaux, ils arrivent là-bas. Ils sont. Un cheval, il n'est pas formaté, mais un cheval qui fait de la compétition à ce niveau, il aime ça, il fait ça parce qu'il adore ça. D'accord. Donc ils sont en compétition comme un enfant, il a très bien compris que c'est le départ pour aller en vacances, quoi. Voilà, ils D'accord. sont excités comme des puces, et puis ils attendent que le moment que ça commence. Après une séquence, après une session, tu parles au cheval. Tu parles beaucoup au cheval. Moi, je parle pas beaucoup, mais par contre, j'aurais vraiment tendance un peu à les remercier. Vraiment à. Voilà, ce week-end à Rome, je finis mon saut, j'ai juste envie, c'est de leur dire merci, parce que finalement, on peut être talentueux, on peut être travailleur, on peut être tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas un cheval de qualité sous les fesses et un cheval qui fait la différence finalement au bout du compte, eh ben on est un piéton. Et finalement sans eux on serait rien du tout. Voilà. Toi, ta discipline, c'est quoi exactement? Juste pour que pour les novices comme moi. Alors justement nous, donc il y a trois disciplines, allez, disons principales dans les sports équestres. Il y a le dressage, donc on fait un peu des figures, un peu le patinage artistique, on va dire, de l'équitation. Il y a le saut d'obstacle, le show jumping, qui est quand même très médiatisé, notamment avec le CHI de Genève. Et puis moi, je fais du concours complet. Donc en fait, c'est ces trois disciplines, enfin deux disciplines, plus une discipline de cross-country, en fait, où on a un parcours d'obstacles dans la nature, avec des obstacles naturels, où on va D'accord. sauter par-dessus des trous, on va faire des contrebas, des contre-hauts, sauter dans l'eau. C'est une discipline qui est. On dit que c'est un petit peu le marathon, un peu le marathon, si on compare ça un petit peu à l'athlétisme. Où c'est donc déjà là où Le un triathlon. parcours triathlon, pardon, là où typiquement, ben voilà, un parcours de saut d'obstacle, ça dure 1 minute 30. Nous, le parcours de cross-country, c'est 10 à 11 minutes en championnat, si ce n'est pas 12. Donc c'est vrai qu'on a vraiment. Mais tu as aussi On du fait vraiment dressage les trois dedans, choses, dans la vie. exactement. On fait le dressage, en Mais fait, on a. pas avec le même cheval. Exactement. Si, on fait les trois disciplines avec le même cheval. Alors. Ouais.
Et le format d'une épreuve de championnat, c'est toujours on arrive, on fait une inspection vétérinaire avec les vétos, avec les juges qui sont là pour dire ah, ok, votre cheval il est fit, hein, fit mm-hmm. to compete. Et ensuite on a le dressage mm-hmm. qui va nous donner nos pénalités de base. Ensuite on a le cross-country, donc cette fameuse grosse épreuve impressionnante. Ensuite on refait une inspection vétérinaire pour être sûr que tout est ok. Ouais. Et ensuite on a le saut d'obstacle traditionnel et on additionne tous les points de pénalité ensemble et ça donne un classement. D'accord. Mm-hmm. Bon, vu qu'on n'est pas un sujet un peu moins drôle, mais le dopage, est-ce que dans une de ces disciplines c'est peut-être plus flagrant? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça existe beaucoup? Est-ce que ça existe uniquement dans le sport au niveau professionnel? Parce qu'on voit souvent dans les courses d'endurance, hein, par exemple, triathlon, des choses comme ça. C'est surtout les amateurs qui se dopent. Hein. C'est quelque chose de fou. Alors, je ne sais pas si ça existe beaucoup, parce que je ne suis pas concernée directement, ou je n'ai pas d'exemple qui me vienne, qui me saute aux yeux. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est régulièrement contrôlé. Et que ce soit les cavaliers ou les chevaux, on est contrôlé régulièrement. Mmh. Après, je ne pense pas qu'il y ait plus de cas dans le professionnel que dans l'amateur. Après, on est un sport où l'amateur et le professionnel, c'est pas clairement distingué, c'est un petit peu tout mélangé. Mais c'est vrai que je pense pas que ça touche plus les uns que les autres. Je pense que le dopage est un vrai problème de conscience personnelle. Mmh. Après, en concours complet, on a un petit peu l'avantage ou le désavantage, c'est selon. C'est que comme on travaille dans trois disciplines différentes qui demandent des performances radicalement différentes, c'est pas que vous pouvez le premier jour donner un calmant et puis le lendemain un stimulant et puis de nouveau le dernier jour un calmant. Ouais. Je caricature, mais à peine en fait. C'est que comme on a des choses très très diverses, ben finalement, on est quand même souvent un petit peu plus... Si on devait choisir un produit, ben là aujourd'hui, je dirais, ben ok, pour le dressage, j'aurais besoin de quelque chose un peu comme ça. Ouais. Pour le military, ça. Et puis pour le saut, un petit peu autre chose. Donc de ce point de vue-là, je pense que chez nous, on est un petit peu épargné. D'accord, voilà. Tant mieux, tant mieux. Au niveau des risques de cette profession, parlons un peu risque, parce qu'on se lance dans une carrière, surtout une carrière qui nous coûte de l'argent, on sait qu'il y a des risques derrière. C'est le risque principal, c'est que le cheval se blesse, non? Alors, d'un point de vue sportif pur, alors c'est clair que si le cheval se blesse, ben, vous êtes reparti pour un tour. Voilà, il faut reformer un autre, il faut recommencer. Alors, en général, on a souvent une écurie de plusieurs chevaux, donc si le premier se blesse, ils viennent ensuite, et puis les chevaux qui se blessent. Alors, il faut être un peu pragmatique. Il y a certaines blessures chez des chevaux qui ne permettent pas de les garder dans des conditions de vie qui sont correctes. Donc, à un moment donné, il y a des chevaux qu'on endort parce que c'est pas possible. Un cheval a besoin de mouvement, il a besoin de pouvoir quand même bouger et tout ça. Donc, si ça, c'est pas faisable, souvent, on arrive à une décision fatale. Ouais. Mais globalement, les trois quarts des chevaux qui se blessent finissent leur jour au pré. Ils vont un petit peu à la retraite, un petit peu à gauche, à droite. D'accord. On a deux, trois adresses vraiment très bien où les gens s'occupent très, très bien des chevaux. Après, il y a des chevaux qui supportent pas très bien. Le côté retraite, surtout des chevaux de concours pour lesquels on passe, je sais pas moi, 3-4 heures par jour à les chouchouter, les mettre au parc, les rentrer, etc. Exactement, les chevaux sont très friands de ça, ils sont très demandeurs. Après, pour nous, sportivement, pour l'humain, on redoute aussi un petit peu la blessure, mais on a quand même un sport où on peut quand même facilement jusqu'à 60-65 ans aujourd'hui faire de la compétition de haut niveau, pour autant qu'on s'occupe de nous un peu correctement tout au long de notre vie. Il y a une préparation physique, hein, en dehors, c'est pas seulement monter quand de cheval. Quand même un petit peu, ouais. Maintenant, je trouve que ça commence à être un tout petit peu plus populaire, un petit peu plus normal. Il y a 20 ans, on vous traitait de rigolo et puis un peu de marginal si vous aviez l'intention d'aller faire du fitness et puis des massages, etc. Parce que le sport en tant que tel muscle énormément déjà. Alors, nous, c'est un sport qui va muscler un peu de la tête aux pieds, mais un peu partout. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un sport qui va quand même mettre à contribution énormément les adducteurs, les cuisses, le dos. Et puis forcément, si vous tombez d'un cheval qui fait 1,70 m en pleine vitesse, suivant comment vous tombez, vous pouvez quand même avoir quelques chocs un peu conséquents. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les cavaliers, c'était un petit peu ceux qui allaient se faire masser pour se faire du bien. C'était un petit peu des petits joueurs, quoi. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus normal d'avoir de la condition physique, d'avoir des masseurs, d'avoir vraiment des choses comme ça qui sont mises en place. Choses qui sont mises en place pour nos chevaux à nous depuis très très longtemps. Oui, oui, oui. Les ostéopathes, les masseurs, la c'est cryothérapie. Quelques fois, j'ai fait du cheval. Si j'avais un masseur après, je pense que j'aurais beaucoup apprécié. Ouais, justement. Non, c'est surprenant. On a beaucoup de gens qui nous disent Yaka. Oui, oui, Yaka, mais c'est quand même un de ces sports où c'est plus du gainage, en fait, que de la musculature pure. Ouais. Et c'est vrai que la chance qu'on a en tant que cavalier, par contre, c'est que dans ce métier, on peut assez facilement quand même avoir une carrière professionnelle autre que de la compétition pure.
Je connais pas forcément les autres sports sur le bout des doigts, mais je sais qu'une fois que si vous êtes triathlète, si vous arrêtez d'être triathlète de haut niveau, bon, vous pouvez peut-être entraîner ça dans un club d'athlétisme. Alors, alors que nous, il y a vraiment y a énormément de gens qui gravitent autour des chevaux pour du loisir pur, pour prendre des cours, même pour se faire plaisir. On a aussi l'école professionnelle pour les apprentis. Il y a quand même des métiers là autour. Donc c'est vrai que au pire, voilà, si on se blesse, on a quand même un petit peu d'autres cordes à notre arc que le sport de compétition. Tes prochaines étapes, tes prochains rendez-vous? Alors, je réfléchis un petit peu. Ce week-end, je suis à côté d'ici, à Poly-et-le-Grand, pour des épreuves de saut, pour former un petit peu les viennent ensuite, et puis les chevaux de saut un petit peu plus typiques. La semaine d'après, je retourne au nord de l'Italie, à Morgengo. C'est pas très loin, pour une fois, je suis ravie. Et puis après, je vais aller à Stregom, en Pologne. Trois semaines plus tard, et après je reviens, je vais à Avant chez un autre international. Mais cette année, je bouge un tout petit peu moins que l'année passée. Ça va, j'ai un petit peu plus de pause entre les échéances. Les vacances vont être prises en fin d'année? Janvier, je pense, ouais, pas avant. Ouais. Quels sont les conseils que tu donnerais avec ta grande expérience pour les jeunes qui ont envie, qui se disent « mais moi, je rêve de faire ça ». Déjà, qu'est-ce que tu... La question avant celle-là, quel est ton plus grand enseignement avec toutes ces années de compétition? Enseignement professionnel ou de vie à travers cette activité quand même atypique comparée à 90% des... Déjà, je trouve qu'avec les chevaux, il faut profiter de ce qu'on a là tout de suite. Parce qu'on parlait des blessures avant. On a la chance. Moi, j'ai la chance d'avoir des super propriétaires. Et voilà, si un jour ces propriétaires sont plus satisfaits ou qu'ils ont envie de faire autre chose avec leur argent, tout à coup, il n'y a plus. Voilà. Ouais. Donc, il faut vraiment profiter de ce qu'on a quand on a envie. Quand on peut, en tout cas. Après, être très patient, parce que les chevaux, ça prend du temps à former. Et puis, on a beau acheter des chevaux, des fois, qui coûtent une fortune. Il faut du temps un petit peu pour se mettre avec. Puis, il faut être un peu persévérant et crocheur, parce que faire le métier quand il fait la météo qu'il fait aujourd'hui autour de nous, ça paraît c'est la classe. Ouais, c'est, voilà. Par contre, le chalet à Gobet, en plein mois de novembre ou plein mois de janvier, quand il fait moins 12 avec de la bise... Ouais. Les journées sont longues quand même. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut bien réfléchir un peu à toutes les facettes du sport et de ce métier, parce que finalement le côté bling bling, compétition, succès sportif, en fait c'est finalement une mini partie toujours de notre métier. Cachée, hein. Ouais, exactement. Ouais. Merci beaucoup Mélanie. De rien.